Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 22 décembre 2023. Il est 10h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Le film La Promesse, donc on y revient, hein, donc sur Arte, diffusé sur Arte mercredi, donc le 20 décembre, n'a recueilli que 591 000 téléspectateurs d'après en fait les mesures d'audience. Hein. Ça représente 3,3% de l'audience, des audiences totales, du total des télévisions en France. Voilà. 3,3, c'est au-dessus de la moyenne hein, de Arte, mais bon, c'est pas un score non plus extraordinaire. C'est 591 000, pratiquement 600 000 téléspectateurs, alors que TF1 ou France 2 ont fait plus de 2 millions de téléspectateurs, même France 3. Voilà, ceci explique peut-être que la chaîne Arte est une chaîne confidentielle qui est moins regardée que les autres chaînes, la 1, la 2 ou la 3, voilà, France 3. C'est peut-être pour cela, tout simplement parce que le film La Promesse de Terry George était un film extraordinaire. Et d'ailleurs, les critiques, enfin les retours, vos retours sont super bons. Et beaucoup d'entre vous l'ont enregistré, vont le regarder donc plus tard. N'ont pas regardé donc en direct sur Arte. Ça fait que donc le chiffre de 600 000 aurait pu être largement dépassé. Mais enfin, en tout cas, de toute façon, on ne fait pas la fine bouche. C'est quand même quelque chose d'important pour les Arméniens qu'Arte ait diffusé ce film, La Promesse, qui parle, c'est une histoire d'amour sur fond de génocide arménien. Et c'est vraiment très très bien, très très bien raconté, très bien, surtout mise en image. Et il y a aussi une partie donc, qui est empreinte donc, de l'histoire du roman de Franz Werfel, Les 40 jours de Moussadar, où les Arméniens ont trouvé refuge sur la montagne de Moïse, le Moussadar, face à la Méditerranée, et qui ont été sauvés par des cuirassiers français, par des Français, voilà, en 1915. Voilà qui est dit. Donc, alors, l'église arménienne de Södertälje en Suède, c'est à quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres de Stockholm. Cette église arménienne a été vandalisée, donc pillée et vandalisée, donc par sans doute des voleurs qui ont emporté des éléments pour revendre, sans doute, voilà, tout simplement. Même en Suède, donc comment dirais-je, la sécurité des églises n'est pas assurée de façon totale. L'Inde commencera à fournir des systèmes de défense aérienne Akash à l'Arménie, ce sont des missiles, hein, dans les mois à venir, pour une commande de 600 millions de dollars. 600 millions de dollars, c'est énorme, hein, c'est la moitié du budget de l'armée, de défense de l'Arménie. Donc je ne sais pas si c'est véridique, en tout cas c'est ce qui a été rapporté par Alpha News. Alpha News, pardon, et c'est l'agence ANI, donc indienne, qui a rapporté, qui affirme que le système de missiles anti-aérien à courte portée, Akash, a été créé par l'Organisation indienne de recherche et de développement de la défense. Les premiers tests réussis ont eu lieu en 2007, et ce sont des systèmes qui marchent, voilà. Il est prévu que les livraisons vers l'Arménie commenceront dans les mois prochains, a indiqué la source. Donc la source, c'est, je vous dis, une source indienne qui n'a pas été confirmée par le ministère arménien de la Défense. Hein, voilà. Donc l'Arménie, on sait, c'est pas, c'est un secret pour personne. L'Arménie s'arme, hein, pas face à justement au couple turco-azéri qui menace les frontières de l'Arménie, de l'espace souverain de l'Arménie. L'Inde pourrait fournir d'ailleurs à l'Arménie des missiles de croisière BrahMos et des missiles balistiques Parallèles. Donc en fait, c'est une nouvelle fois donc des journaux indiens qui rapportent. C'est le portail indien Defense Research Wing qui l'affirme. Donc l'Inde négocie la vente éventuelle de systèmes de missiles avec l'Arménie. A rapporté donc l'agence, le portail indien Defense Research Wing, faisant référence à l'organisation de recherche. Enfin bon, je ne vais pas vous détailler donc tout cela, mais en tout cas, voilà encore une fois des contrats qui sont en cours de signature. L'Inde souhaite notamment fournir des missiles de croisière supersonique BrahMos sont des missiles supersoniques de croisière et des missiles balistiques à courte portée Pralay, voilà. Selon les spécialistes militaires, la portée des missiles Pralay est de 150 à 100 et à 500 km et celle des missiles BrahMos est de 290 km. Voilà qui va constituer un arsenal pour l'Arménie, pour sa défense, voilà, qui est bien utile parce que pour faire la paix, il faut être bien armé déjà.
Aliyev à Stepanakert, il parade, hein, il a été donc pour la huitième, pour les huitièmes de finale de la Coupe donc d'Azerbaïdjan à Stepanakert entre le club du Karabakh et puis un autre club. Il a dit pour pas, enfin pour répondre à Pachinian, hein, donc le, en fait c'était les équipes de Karabakh contre Moïk. À Stepanakert, volontairement, il a fait le match au stade municipal de Stepanakert, renommé hein, d'ailleurs, mais en tout cas, c'est une ville, la capitale de l'Artsakh, qui est occupée. Et Aliyev, il a dit, donc pour un petit peu répondre à Pachinian, qui a, il y a 4 ans, Pachinian avait affirmé que le Karabakh, l'Artsakh, est arménien, un point, c'est tout. Et là, il a répondu, donc Aliyev a répondu à Pachinian, sans le citer, hein, sans dire que c'est Pachinian, mais il a répondu: désormais, le drapeau de l'Azerbaïdjan flottera pour toujours sur ces terres. Nous, Azerbaïdjanais, vivrons ici pour toujours. Voilà, enfin, il rêve un peu hein, aussi. Hein. Il a dit: le Karabakh, c'est l'Arménie et c'est tout. Donc, c'est ce qu'avait dit Pachinian. Et nous leur avons prouvé que le Karabakh est l'Azerbaïdjan. Voilà, donc il dit que le Karabakh est l'Azerbaïdjan pour répondre à Pachinian qui avait affirmé que l'Artsakh et l'Arménie, c'est tout. Voilà, c'est un petit peu la vengeance d'Aliyev contre Pachinian. Aliyev qui est victorieux sur ces terres donc arméniennes avec l'appui de la Turquie, bien sûr. Voilà. Les 10 meilleurs sportifs d'Arménie donc en 2023 donc ont été publiés, ont été votés par un jury de journalistes et d'entraîneurs du monde sportif. Donc dans les 10 premiers, il y a Arthur Alexanian, champion d'Europe de lutte gréco-romaine, médaille d'argent du championnat du monde 2023 et sans doute donc un des futurs il est médaille d'or olympique aussi à Rio 2016 et à Paris en 2024, il tentera de gagner un second titre olympique. Il y a aussi le lutteur Malhas Samoyan, Arman Andreasian, Hovhannes Bachkov, le boxeur. Voilà la liste de Arthur Davetian, le médaille d'or et championnat d'Europe de gymnastique. Vasken Tevanian, encore un lutteur. Valas Tatlalayan, un haltérophile. Voilà, ils sont 10 qui ont été choisis. D'ailleurs, il y a 10 hommes, hein, il n'y a aucune femme pour une première fois. Voilà mes amis, donc la liste donc et beaucoup de sportifs de Gyumri, ils sont très forts les sportifs de Gyumri, que je salue d'ailleurs, notre ami membre de l'association Arménia et puis député donc à l'Arménie occidentale aujourd'hui, donc c'est no, notre ami comment dirais-je, Simon Melkonian, voilà, originaire de Gyumri, qu'on salue, c'est la seconde ville d'Arménie, hein, Gyumri. Tout le personnel, tous les soldats de l'armée arménienne vont recevoir une prime en fait, de gratification en cette fin d'année. C'est ce qu'a déclaré le ministre arménien de la Défense, Soulen Pabikian. Voilà, une bonne chose aussi. Hein. Voilà, je rebrosse un petit peu. Hein. Moscou œuvre à la conclusion du traité de paix entre Bakou et Erevan et la résolution des contradictions les plus aiguës. Donc Moscou essaye de rapprocher l'Azerbaïdjan de l'Arménie, de l'Arménie de l'Azerbaïdjan, pour récupérer ces deux républiques sous sa protection et surtout sous sa domination, hein, il faut le dire. Voilà. L'importation du ciment en Arménie pour 6 mois a été donc à partir de janvier va être, comment dirais-je, va être interdite, voilà, pour favoriser le ciment arménien. Donc le stock du ciment arménien est énorme et l'industrie aujourd'hui bâtiment est très très demandeuse du ciment. Il y a de nombreuses constructions en Arménie. L'économie de l'Arménie enregistre des taux de croissance très importants et le ciment est un des éléments justement des constructions. Et l'Arménie produit beaucoup de ciment aussi. C'est pour favoriser ce ciment-là arménien que l'Arménie a décidé d'interdire pour 6 mois de bloquer l'importation du ciment qui était importé depuis la Russie, depuis la Géorgie et sans doute aussi quelque peu depuis la Turquie. Voilà. Des ciments qui étaient encore moins chers que le ciment produit en Arménie. Mais voilà, il faut favoriser le Made in Armenia et c'est une bonne décision du gouvernement de Pachinian. Alors, le secrétaire de l'OTSC donc est venu hier en Arménie. Donc, il a rencontré le chef de la diplomatie arménienne, Arart Mirzoyan, et qui a présenté, lui, donc son plan de carrefour
de la paix, donc le plan de l'Arménie, Carrefour de la paix, pour un peu débloquer la situation, les communications de l'Arménie avec justement les pays voisins, avec l'Azerbaïdjan, la Turquie, l'Iran, la Géorgie, et puis au-delà la Russie. Voilà. Donc, et puis ce secrétaire de l'OTSE est venu présenter donc à l'Arménie les résolutions qui ont été donc adoptées récemment lors d'un sommet de l'OTSE à laquelle l'Organisation de traités de sécurité collective, hein, donc avec sous la houlette de la Russie bien sûr, à laquelle l'Arménie était absente. Voilà. Le secrétaire donc général de l'OTSE est venu présenter le détail à l'Arménie. Et puis il est reparti tout simplement. L'Arménie d'ailleurs désire se retirer de l'OTSE. On a l'impression que voilà, on est à deux doigts de la rupture entre l'Arménie et l'OTSE. Et pas de la CEI en fait, hein, la communauté des États indépendants et l'Union économique eurasienne. L'Arménie a intérêt à y rester, donc c'est ce qu'a déclaré le gouvernement Pachinian. Par contre, l'OTSE, il n'y a aucun, comment dirais-je, l'Arménie se tourne aujourd'hui vers l'Occident au niveau de sa défense, hein, voilà, comme on le sait. Et puis s'arme auprès de l'Inde, auprès de la France et d'autres pays aussi, voilà, en laissant la Russie et l'OTSE qui n'ont pas joué leur rôle lors de l'attaque de l'Arménie, déjà en mai 2021, quand les Azéris ont occupé autour du Sevlitch, donc du territoire arménien. Aujourd'hui, l'Azerbaïdjan occupe toujours 200 km² du territoire de la République d'Arménie, sans l'intervention de l'OTSE qui a failli à ses obligations. L'Arménie étant membre de l'OTSE, l'OTSE aurait dû agir et réagir très rapidement. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Voilà, j'ai fait le tour de l'actualité en oubliant sans doute quelques petites nouvelles, mais en vous donnant déjà l'essentiel. Je vous souhaite une bonne journée et à demain mes amis.